Salut les gars. On va aller un peu rapidement. Voilà. J'ai vu une vidéo tout à l'heure sur YouTube. Ça présentait le petit là, MC One. Voilà. Donc, comme ça, monsieur. Bon, attendez, je vais vous faire voir la vidéo. Ok. Les Kif de Beat, c'est de très bons rappeurs qui se battent pour la nation ivoirienne comme moi. Voilà. On essaie tous d'emmener le rap ivoirien très loin. Voilà. Donc, j'ai rien contre eux, c'est mes grands frères, mais le rap avait besoin de ça. Mais c'est de l'histoire ancienne, voilà. Non, ceux qui veulent s'éterniser sur le clash, tout ça, voilà, c'est pas un truc. Bon, Didi B, c'est un très grand rappeur. C'est un très grand rappeur, voilà. On se bat tous pour l'évolution du rap ivoirien, on essaie de le pousser le plus haut possible, voilà. J'ai rien contre lui. Mais le rap avait besoin de ça. Donc, attends. MC One, un bon petit. Donc, tu es venu comme ça, tu as commencé le clash et tout, et comme ça, tu veux dire que c'est toi qui décides de la fin. Ben non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, ça ne se passera pas comme ça. Tu as commencé le clash, il faudrait bien que, comment dirais-je, l'autre termine. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme dans un cafouillage, hein, voilà, hein, ou bien même pas un cafouillage. Tu veux te battre avec eux, tu leur donnes un coup, paf, paf, ou bien trois coups, pam, pam, pam. Et puis bon, tu te dis non, ce sont mes grands frères, ça va, laissons tomber et tout, voilà. Et puis qu'est-ce que tu dis encore? Que faudrait pas qu'on s'éteigne ici le clash et tout ça. Ah, petit, tu as la foutaise, hein? Tu as foutaise même, c'est pas blanc. Ah! Tu dis quoi même? Tu sais pas, c'est quand on parle de ça fait monter toi ta cote. Tu sais pas ça. Faut demander à Arafat. Il va t'enseigner. Voilà. Toi, tu sais pas. Et puis, tu n'as même pas encore grimpé, hein. C'est maintenant où on commence à parler de toi. Ta cote commence à monter petit à petit, hein. Et c'est là, maintenant, toi, tu viens devant ton téléphone portable, tu te mets comme ça, et tu dis carrément les clashs, bam, on arrête, faudrait pas qu'on s'éteigne ici. Là. Petit, tu as foutaise même. Tu as foutaise. Yé, va prendre le micro là-bas, tu as les clashs, tu parles de quoi même. Va prendre ton micro. Attends, je fais deux vidéos après, hein. Et puis, les gars, vous, kiffe nos bits là. Lui, il a commencé, il vous donne des coups, pam, 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 trois coups, et puis il vient devant la caméra pour dire, non, ça va, vous êtes mes grands frères, on laisse tomber et tout. Et puis vous allez laisser comme ça aussi. Prenez le micro, vous allez répliquer. Hein. C'est trop foutaise. Il a fait sortir un, deux, trois sons sur vous en même temps. Peut-être, mais il y a un quatrième en préparation quelque part là-bas sur le côté. Et puis vous, ça avait un seul son. Peut-être même vous êtes en train de vous préparer, et puis lui, il va venir devant les écrans pour dire, non, la classe est terminée. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Prenez votre micro, répondez-le, et puis il vous donne 2 semaines. Et puis toi, MC One, va prendre le micro là-bas, tu joues. J'aime pas ça, hein, il y a lui. Hein. Va prendre le micro, tu as fait le truc là-bas. On s'en gère ici. On quitte ici. Ou bien, va prendre ton micro.